bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ragnamod. Et aujourd'hui, on se retrouve devant le petit stockage qu'on a fait au dernier épisode. Et on va passer à la suite de l'assemblage de tout ça. Parce que maintenant qu'on a du stockage, vous pouvez le voir, les disques sont vides. Ils sont tous vides. Va falloir faire des disques et tout ça. Et comme je l'ai dit, je veux faire des disques 64K. J'aimerais avoir que des 64K, histoire d'être tranquille avec le stockage et de pas avoir besoin de m'en faire en me disant « Oui, mais j'aurai assez de place ici et ça. » Donc mon but étant de faire du stockage. Il y a un slime qui se balade là-haut. Pour faire du stockage assez facilement et assez rapidement, enfin surtout facilement, parce que rapidement ça c'est encore autre chose, mais assez facilement, le mieux c'est d'utiliser un système automatisé. Alors on a le choix, on a plein de choses qu'on peut faire. Et cette fois-ci, j'ai envie de le faire en semi-automatique, c'est-à-dire que ce sera automatique, seulement c'est moi qui ferai la demande du nombre de disques que j'ai besoin. Parce qu'on va les crafter au fur et à mesure, étant donné qu'on n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires. C'est-à-dire, je parle par là du Certus, je parle du diamant, parce que on n'est pas bien riche en diamant et en Certus. Un Certus 1100, c'est pas terrible. Et diamant, c'est encore pire. Diamant, j'ai quasiment rien. J'ai 191 diamants, ça représente absolument rien en modé. En modé, il faut savoir que ça utilise, on utilise énormément de diamants, y compris pour les disques. Jusqu'à ce qu'on ait une production de Certus et d'or à volonté. Mais avant d'avoir ça, il faut un système de stockage qui soit optimisé, parce que je voudrais m'attaquer à Mystical Agriculture, hein. On l'avait vu là-haut, j'ai commencé à m'intéresser un peu au mode là-haut pour voir un peu comment ça fonctionnait, j'ai vu le principe, j'ai vu que c'était assez simple. Donc on va se tourner vers Mystical Agriculture pour avoir toutes les graines nécessaires, pour avoir toutes les ressources nécessaires, inimaginables et possibles, même les choses qui sont totalement inutiles. On va essayer de les faire, on va bien voir, on va faire un système, tout ça. Mais en attendant, on va s'occuper de tout ce qui est craft, parce que le problème de Mystical Agriculture, ça revient exactement au même que le problème des disques, c'est que Mystical Agriculture et les disques, entre autres, parmi plein d'autres modes, utilisent énormément de craft. Et c'est vrai que ce qui est un peu chiant, c'est le craft. Et crafter en permanence beaucoup de choses sur beaucoup d'étapes, ça devient très vite lassant, ça devient très vite relou. C'est là que intervient justement le système Applied, parce que Applied permet d'automatiser tout ça. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez tout ça, mais pour ceux qui connaissent pas, Applied a l'avantage de pouvoir automatiser. Admettons, si je fais une demande, une requête de n'importe quoi, je pourrais la crafter si j'en ai pas. Mais pour ça, il va falloir ajouter tout un système de mise en place derrière, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir ajouter un système qui va permettre de crafter en lui-même, c'est-à-dire des sortes de tables de craft automatiques qui s'appellent des assembleurs moléculaires. C'est des tables de craft qui permettent de faire les crafts automatiquement, mais aussi il va falloir lui apprendre le craft, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Le terminal ne connaît pas les crafts. Il faut lui apprendre, il faut qu'il connaisse, il faut qu'il sache ce que c'est. Et tant qu'il ne l'a pas appris, et eh ben on peut pas faire le craft. Et puis dans tout ça, en plus de tout ça, il va falloir lui rajouter un processeur pour qu'il puisse travailler, de la mémoire pour qu'il puisse stocker, éventuellement des coprocesseurs, tout ça. Donc aujourd'hui on va voir ça dans cet épisode. On va continuer notre système de stockage, notre système Applied, pour essayer de l'optimiser. Et c'est pour ça que, comme vous avez dû sûrement le remarquer, j'ai fait deux autres patterns, parce que ces deux autres patterns là vont me servir à faire tous mes systèmes de craft et mes systèmes de processeurs. Sachant que on va démarrer avec quelques systèmes, on va utiliser quand même par la suite, il y a de fortes chances que la plupart soient remplis, mais on va préparer la place pour en mettre autant qu'on en a besoin. Là, normalement, on en a largement assez, mais là, pour tout de suite, il n'y en aura pas beaucoup. Il va peut-être y en avoir 4, il va peut-être y en avoir 8. Il n'y en aura pas plus pour le moment, parce que j'en ai pas besoin d'autant pour le moment. Pareil pour les processeurs. Les processeurs, il va y en avoir un ou deux pour le moment, pour démarrer, parce qu'on en a assez avec un ou deux. Mais par la suite, on en rajoutera, parce qu'il faut savoir qu'un processeur est utilisé pour chaque craft que vous demandez. Si admettons je demande à crafter des disques, le temps qu'il crafte les disques, si j'ai qu'un seul processeur, je ne peux pas lui demander, admettons, qu'il me crafte, des pioches, admettons. Parce que le processeur est utilisé. Il va me falloir forcément un deuxième processeur. Mais tout ça, on y reviendra après. Je vous expliquerai en gros comment ça fonctionne, tout ça. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder un petit peu sur déjà une unité centrale. On va centraliser l'ensemble. Parce que là, on avait fait un petit ME contrôleur centralisé. Mais ça va pas être suffisant. Ça, on est loin d'être suffisant, déjà parce qu'on n'a plus de place pour se connecter, et puis surtout parce que vous avez sûrement remarqué dans les dernières vidéos que j'ai sorties, j'ai fait une sorte de pattern, on peut le voir maintenant. Je vais me mettre en hauteur, je vais m'écarter
des générateurs là, et j'ai fait une sorte de pattern. Là, on peut voir, j'ai un petit pattern, un carré, avec un deuxième carré dans le milieu. Alors, c'est pas centré, mais ça, c'est pas bien grave, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que ce pattern, c'est la partie que j'ai chunkloadé. J'ai chunkloadé cette zone-là. J'ai pas voulu qu'elle soit trop grande parce que chunkloader une zone trop grande, ça sert à rien. Mais j'ai voulu qu'elle soit suffisamment grande parce qu'on va avoir un système centralisé tout autour. Parce que Applied, je veux pas l'étendre sur trop large parce que les câbles, ça fait laguer. Et je veux pas non plus tout mettre dans le même chunk parce que tout mettre dans le même chunk, bah ça fait laguer aussi. Donc le mieux, ça reste de répartir suffisamment. Bon, le mieux ce serait vraiment de répartir de façon à ce que les chunks ne soient pas en visibilité, mais bon, ça demande trop d'espace, ça demande trop de distance. Donc et puis il faut un système avec un réseau sans fil, et ça demande de l'énergie. L'énergie, on l'a pas encore, on a que ces petits générateurs là, et il va falloir qu'on passe à autre chose. En attendant, ce qu'on va faire, et ben c'est qu'on va faire un système qui est centralisé tout autour, et ici ça va être notre point central puisque le chunk loader, il est là. Et puis on aura tout le système, les plus grosses machineries qui seront tout autour. Et par la suite, eh ben, on s'étendra au fur et à mesure, de plus en plus loin, en fonction de nos besoins. Donc pour le moment, tout ce qui va être centré au milieu, ça va être de l'Applied. Et c'est pour ça que j'ai fait les deux patterns là, l'un côté de l'autre, parce que c'est des patterns qui se ressemblent énormément et qui, ben, pour moi, étaient le mieux placés à cet endroit, puisqu'ils sont à proximité des stockages. Et surtout, on va centraliser le ME contrôleur qui est là, il va rester là, hein, celui-là il va rester là, seulement on va en réaliser un deuxième qu'on va mettre ici au central. Bon, on le verra pas là à ce moment-là, il sera pas visible de la partie haute. Par contre, sur la partie haute ici, il y aura des terminaux, on va mettre des terminaux histoire de décorer tout ça. Mais le contrôleur central, il va être en dessous. On va venir le placer en dessous. Alors peut-être que je vais rajouter deux colonnes histoire de dire qu'il y a le contrôleur, mais ça sert pas à grand-chose, je sais pas, je verrai bien si je fais quelque chose. Pour le moment, je pense que la partie le plus intéressant, ça va être déjà de le mettre en dessous, parce que c'est là qu'il aura le plus d'utilité. Alors on va aller faire un tour en dessous. J'ai commencé un petit peu de la déco, on peut voir. Alors j'ai fait un style un peu cave comme ça, c'est vraiment un truc de base. J'ai mis de l'éclairage vite fait, on mettra quelque chose de plus sympa plus tard, mais au moins on a quelque chose de propre. Là c'est pareil, hein, je mettrai, il y aura des arches, enfin ouais, oui, il va y avoir des arches, il va y avoir des trucs comme ça, enfin bref, on décorera tout ça plus tard, on fera ça plus tard, enfin je le ferai hors caméra sûrement, parce que c'est la partie basse et on peut pas trop faire grand chose. Et puis en modé, ce qui nous intéresse, c'est la machinerie, c'est pas trop la décoration, même si je verrai pour essayer éventuellement de faire quelques petits timelapses, mais ça, ce sera plutôt à l'extérieur. Bon, alors la première chose qu'il va falloir faire, comme je le disais, c'est qu'il va nous falloir un nouveau contrôleur central qui va permettre de raccorder tout ça ensemble, parce que je voudrais raccorder tout ça, les disques, plus tard les processeurs et les machines de craft, ou l'inverse, on verra comment on met ça, mais je pense que les processeurs vont être centralisés ici, comme ça on aura les machines de craft qui sont là, parce qu'après il va y avoir d'autres machines, tout ça, enfin bref, il y a plein de choses qui vont venir se rapporter au système Applied. Donc on va venir centraliser notre ce contrôleur principal ici. Maintenant qu'on a connecté notre système, il y a une chose qu'on peut faire éventuellement, déjà pour voir si tout fonctionne bien, c'est voir pour se faire un petit terminal. Alors, terminal, un petit terminal, alors je vais pas faire un craft, si je vais faire un crafting terminal, exactement, mais pour ça j'ai besoin de processeurs, j'en ai plus, alors, heureusement j'en avais mis à crafter, tac, on va récupérer tout ça. Et on va mettre tout ça dans l'inventaire. Par contre, ah non, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Alors, le terminal, tac, tac, il me faut ça. Il me faut des... Il me faut des, voilà, des panneaux illuminés. Oh là, on va en crafter deux fois, trois, tac, parce qu'on en aura besoin un peu.
Terminal de craft, il me faut ça, il me faut ça. Tac. Je peux en faire deux parce que je vais en avoir besoin de toute façon. Tac. Et il me faut le terminal de craft. Tac. Que voici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir récupérer un peu de câble ici. Tac. J'ai plus de orange. J'ai à moins qu'il soit dans. Tac. Ah bah si, c'est parfait, en plus j'en avais autant que ça, c'est parfait. Voilà, j'ai des câbles. Ce que je vais faire, on va faire un test. On va enlever ces blocs qui sont là. Tac, tac. Et on va venir connecter un câble. Tac, ici. Bon, le bloc était au-dessus, on pouvait le laisser. Et on va venir mettre un petit crafting terminal ici. Et normalement. Et voilà, on a accès à notre terminal, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. On a même assez de disques, on a accès à tout ça. Mais après, pour les disques, je pense que je vais revoir ça parce que je voudrais ne pas forcément avoir accès à tous les terminaux directement au disque. Mais ça, c'est pas bien grave. Le principal, c'est qu'on ait accès, que tout fonctionne. Ici, on y mettra des panneaux de décoration, on pourrait même les mettre tout de suite. C'est pas bien compliqué, sachant qu'on a les blocs qui sont là et j'ai les ancres qui sont là. Tac, si je fais ça, je fais ça. Tac, ça va m'en donner 4. Je devrais en avoir assez avec 4 normalement. 1, 2, 3 et 4. C'est parfait, on a l'impression que c'est pris dans la masse. Enfin bref, voilà. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on fera, on mettra des autres panneaux aux quatre coins, histoire que ça soit sympa. De toute façon, il va y avoir plein de terminaux qui vont être mis un peu partout, donc voilà, ça va être sympa. Une fois qu'on a fait ça, maintenant il va falloir passer au cœur du système, c'est-à-dire les processeurs et éventuellement aussi les machines de craft. Mais pour les processeurs et les machines de craft, on va utiliser quelque chose que j'aime utiliser, quelque chose qui fait redouter beaucoup de personnes sur Applied, c'est le P2P. Le P2P, c'est vraiment quelque chose de Ben, d'impeccable, de parfait. C'est quelque chose qui va permettre d'économiser pas mal des câbles et surtout les ressources, et qui va permettre de faire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de canal dans un seul câble. Le P2P, ça a l'avantage de laisser passer, ben, 32 channels dans un seul channel. Par exemple, je vais mettre un P2P ici, je vais mettre un câble ici. Dans ce P2P-là, je peux faire passer 32 channels. Ça va créer une sorte de sous-réseau. Et je vais pouvoir les faire repasser par ici. Et la différence, c'est que là, on va voir. Alors là, c'est les processeurs. Les processeurs, je sens que les processeurs vont utiliser qu'un seul channel à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on a 8 canaux. 1, tac, 32 là. C'est bon, on en a 32. Donc ce qu'il va falloir faire, bah, ça va pas être très compliqué. On va partir. Ben, on va partir comme ça. Tac, tac. Tac, 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 voilà. On va faire ça comme ça. Et on va mettre un P2P ici. Un P2P ici. Un P2P ici. Un P2P ici. Ensuite, on va venir placer. Enfin, on va pas venir placer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette memory card. Écoute. Pas très cher, hein, juste un petit peu de matériaux. Cette memory card va permettre d'enregistrer les channels. Alors, pour ça, on va faire un shift clic droit sur ce canal et on peut voir que les configurations sont copiées dans la memory card. Et ensuite, on fait un simple clic droit sur les P2P qui sont là. Sachant que là j'en ai mis 4, il y en a 4 qui sont connectés à un seul. On ne peut pas faire passer plus de 32 channels dans un P2P, tout simplement parce que chaque face de ME contrôleur accepte maximum 32 channels et les câbles. Enfin, c'est la limite maximum de l'ensemble du système. Donc ce que je vais faire maintenant, ben, maintenant qu'on a nos 32 channels, et ben on va venir placer des câbles. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer des câbles. Tac, tout le long ici, et on va venir placer tac 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va mettre un rouge. Tac et tac. Voilà. Là, j'ai 8 places par channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8.
L'avantage, bah, c'est que ces câbles-là, ils acceptent 8 channels. On peut le voir en haut de l'écran, 0 sur 8. C'est largement suffisant. Par contre, il va falloir y mettre de l'énergie à tout ça. Et la seule façon qu'on a de mettre de l'énergie, c'est simplement en connectant des quartz fibers. Donc là, c'est le cas. Je vais connecter une quartz fiber ici. Par contre, il va falloir. Pour ça, je vais utiliser. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. Comme ça, on va mettre le câble rouge ici. Et je vais mettre une quartz fiber ici. Et on va mettre le câble jaune ici. Voilà. Comme ça, l'ensemble est connecté. Enfin, du moins, l'énergie est interconnectée entre elles, mais pas les données. Hein. Les quartz fibers ne laissent pas passer les données. Elles laissent passer que l'énergie. Et d'ailleurs, on va le voir après en mettant des processeurs. Je vais utiliser. Alors, je vais prendre un processeur. Alors, on va faire des. Ou alors, je vais refermer tout ça. Je vais refermer tout ça. Je vais refermer tout ça et on se retrouve après. Alors on se retrouve après que j'ai refermé un peu tout l'ensemble, histoire que ça soit propre. Sur le dessus, je vais venir y placer des petites façades en anti-bloc. Ça permet d'avoir quelque chose de propre. Et puis comme de toute façon, on ne va pas tout connecter tous les processeurs aujourd'hui, parce que j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité, et puis surtout, j'aurai pas l'énergie pour les faire tourner. On va connecter qu'un processeur ou deux, ce qui sera largement suffisant. Alors comme ça, ben, on a les façades noires qui permettent de recouvrir. Et ça n'empêche absolument pas le contact. Hein. C'est ça qui est cool, justement, c'est le gros avantage. C'est que ça n'empêche absolument pas la communication entre le câble et la machinerie qui va être au-dessus. Ça permet simplement de faire quelque chose de propre. Et après, on va s'occuper des processeurs. On va venir placer les processeurs. Tac. Tac, voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement pour pouvoir bah, demander à la machine de s'auto-de, enfin, du moins, de demander à Applied de s'automatiser. Il va lui falloir déjà pour commencer bah, un processeur. Le processeur, il se fait bah, déjà avec une crafting unit. C'est la base de tout processeur, coprocesseur, de tout l'ensemble. De toute façon, tous les blocs, on les voit là, ils sont là. Tous les blocs sont ici et il vous faudra automatiquement le crafting unit. Ça, c'est la base. Et le crafting unit, c'est le CPU. C'est le processeur de la machinerie. Ce crafting unit là, c'est bah, c'est le CPU. On va venir le placer. Alors ça a pas, il n'y a pas de sens, hein, mais bon, il faut savoir qu'il faut que la machine, enfin que l'ensemble fasse un carré ou un rectangle ou une colonne, enfin bref, n'importe quoi. Mais il faut pas une forme. On peut pas faire une forme comme on veut. Par exemple, si je le mets là, là ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal parce que en plus du crafting unit, là, le processeur, il va lui falloir une deuxième chose qui est importante. Ça va être une mémoire parce que sans mémoire, il ne fonctionnera pas. Et pour ça, on va lui faire une mémoire de 16K. C'est une énorme mémoire. Hein, c'est déjà une grosse mémoire. Mais pour le moment, je veux mettre tout de suite une 16K. Et là, on peut voir que la machine s'est formée. Ça, c'est le minimum nécessaire pour avoir un système qui soit fonctionnel. Là, le processeur, il est fonctionnel. On peut lui rajouter des choses avantageuses. Alors, la première chose qu'on peut lui rajouter, bon, on peut lui rajouter aussi, pour l'esthétique, le crafting monitor. Alors, sachant qu'il va me falloir un ME Storage Monitor. Le crafting monitor n'a pas un énorme intérêt. Par contre, il a le seul intérêt de pouvoir afficher le craft en temps réel. On n'en mettra sûrement pas par la suite, là je le mets, c'est juste pour l'exemple. Et puis surtout, ben, on va rajouter une chose, par contre ça on va la rajouter, c'est un crafting coprocessing. Alors ça on pourra en rajouter par la suite plusieurs, pour le moment on va déjà en mettre un, c'est déjà pas mal, ou peut-être même deux. Non, on va en mettre qu'un, on va en mettre qu'un parce que pour le moment on en a assez avec un seul. Le coprocessing unit. Le gros avantage qu'il a, c'est que ben, quand vous avez un processeur, c'est la base minimum pour pouvoir faire un craft. Sachant que quand vous faites un craft, si je demande par exemple à crafter une pioche, alors pour faire le craft d'une pioche, il faut prendre du bois, hein, des logs de bois, il va falloir les transformer en planches. Ces planches-là, il va falloir les transformer en sticks. Et ensuite, il va falloir, admettons que c'est une pioche en diamant, il va falloir prendre 3 diamants plus 2 sticks et faire la pioche. Ce qui veut dire que j'ai en gros un craft, deux crafts, trois crafts au final. Ces trois crafts-là, avec un processeur, il pourra les faire que l'un derrière l'autre. Même si on a mis les crafts dans des crafters différents. Si on rajoute des coprocesseurs, l'avantage du coprocesseur va permettre de faire deux crafts en même temps à partir du moment où il s'agit du même craft. Si je lui demande une pioche, admettons, eh ben
grâce à ce processeur et ce coprocesseur-là, il pourra crafter, admettons, les logs, les mettre en planche. Et s'il y a déjà des planches, bon, admettons que je demande 20 pioches, hein, parce que si je demande qu'une pioche, on verra aucune différence. Mais si je demande 20 pioches, il pourra, aussitôt qu'il aura des planches dans son inventaire, dans le stockage, il pourra commencer à crafter les sticks, même si les planches ne sont pas finies. Tandis que s'il n'a pas ce coprocesseur-là, il sera obligé d'attendre qu'il ait fini de crafter des planches pour pouvoir passer à un deuxième craft. On peut rajouter autant de coprocesseurs que l'on veut et autant de mémoire que l'on veut. Là, on a une 16K, on pourra rajouter par la suite une deuxième 16K, une 8K, une 64K, n'importe quoi, on pourra en rajouter autant qu'on en veut. Maintenant, c'est qu'on va s'occuper de ce qui est tout ce qui est crafting, parce que là on a les processeurs mais on n'a pas les crafts, hein, parce que là le processeur, bah, il sert à rien du tout, il sert strictement à rien du tout. Il va falloir faire du craft, et pour ça, bah, il va falloir à cet endroit faire la même chose que ce qu'on a fait là. Donc on va partir tac tac par là et on va venir faire le même principe, on va utiliser le même principe, mais il va falloir rajouter un système de P2P. Alors de peer-to-peer, on en a encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, parce que là on a déjà utilisé les 32 channels, donc on va rajouter tac un deuxième système, enfin deuxième P2P à cet endroit, puisqu'on a encore de la place, là on peut voir, sachant que un P2P utilise deux channels, enfin tu vois. Un tunnel P2P va utiliser un channel, sachant que j'en ai 4 là, plus 1 là, ça fait 5. Là, on peut voir que là, il y en a 5 d'utiliser, 5 sur 8. Il me reste encore de la place. Par contre, je vais être embêté, il va falloir peut-être que j'utilise un deuxième câble. Parce que je vais avoir besoin de beaucoup plus de place sur les crafting units. Donc ce que je vais faire, je prépare tout ça et je vous explique après comment c'est, parce que c'est à peu près le même principe, sauf que là il y aura un peu plus de P2P dans le signal, c'est tout. Et on se retrouve après avoir terminé l'ensemble du câblage. Alors on peut voir sur le dessus, ça fait exactement le même pattern, c'est un peu ce que je recherchais. Maintenant on va aller voir en dessous un peu l'usine à gaz, parce qu'il y a un peu plus de câbles à ce niveau-là, étant donné qu'on a beaucoup plus de channels utilisés. Là on peut voir, j'étais obligé d'utiliser deux câbles parce qu'avec un seul câble j'avais pas assez de channels. Le verre ne comportait pas assez de place pour pouvoir terminer l'ensemble des channels, il manquait un channel. Le channel manquant, il est ici sur ce storage bus qui est là. Donc j'ai utilisé un deuxième câble que j'ai mis en rose parce que c'est le seul colorant que j'avais. Et bon, bah, l'avantage c'est qu'il nous laisse encore un peu de possibilités, on a que 3 channels utilisés, donc on pourra éventuellement s'en servir pour faire un autre type de stockage, on verra ça plus tard. De toute façon il y a un autre type de stockage qui va venir par la suite se rapporter au système. Mais en gros, j'amène un câble ici avec 32 channels, 32 possibilités, enfin du moins il y a 32 x 2 channels, ouais c'est ça. Non même pas, il n'y a même pas 32 x 2 channels parce que j'utilise pas les 32 x 2 channels. Mais en gros là j'ai 32 channels sur les 3 câbles qui sont orange ici, les 4 câbles orange ici, j'ai 32 channels utilisés parce qu'on va utiliser 2 channels à chaque fois par tête, hein. Il va y avoir 2 channels utilisés, on verra ça après pourquoi. Et donc au final, bah, ça fait 4 x 2, ça fait 8 channels. Donc on a bien les 32 utilisés, plus ici on en a 16 de plus sur les bleus. Donc si on va voir les violets de l'autre côté, on a 2 façades de P2P, hein, pour avoir de la place, suffisamment de place. Et puis après on a le câble rose qui vient pour, en complément du reste, là on a 2 x 8 channels utilisés, ça fait 16 channels. On a encore la possibilité de rajouter 16 channels sur le même P2P, plus éventuellement d'autres P2P, puisqu'on a 3 channels d'utiliser, voire même utiliser le câble en brut pour rajouter des terminaux, quelque chose comme ça. Peut-être ce qu'on fera d'ailleurs par la suite, on verra bien en fonction des besoins. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est que bah, c'est bien beau tout ça, mais là pour le moment ça sert pas à grand chose. Et ce qu'on voudrait, bah, c'est que ça serve à quelque chose, hein. C'est un peu le principe, le but du jeu. Sachant qu'on a notre processeur qui est là, on a notre stockage qui est là, maintenant ce qui manque, eh ben, c'est les systèmes de craft, c'est les craft auto, c'est les molecular assembleurs. Les molecular assembleurs, il va nous falloir des molecular assembleurs, c'est ce qui permet de faire les crafts. Ils sont là, tac, tac.
Molécular assembleur, ils sont là. Donc il va nous falloir un molécular assembleur. Enfin après, il y a plusieurs sortes de patterns. Mais bon, moi je vais utiliser un pattern un peu spécifique, tout simplement parce que je veux de la place. Et je veux pas forcément avoir un système de craft ultra rapide. Ça me sert pas à grand chose. Donc pour ça, il va nous falloir un molécular assembleur suivi de deux ME interface. On va mettre une ME interface à cet endroit. On va mettre un molécular assembleur à cet endroit et on va venir remettre une ME interface à cet endroit. On pourrait presque rajouter un molécular assembleur au-dessus. Ça permettrait d'avoir pour les crafts les plus exigeants d'avoir plus de place parce qu'il faut savoir que le molécular assembleur, enfin du moins pas le molécular assembleur, l'interface ME injectera partout là où c'est qu'elle peut injecter. C'est-à-dire que si là je mets un molécular assembleur ici, admettons j'en crafte un deuxième, je peux mettre un molécular assembleur ici, je pourrais en mettre un de chaque côté, un peu partout, ça injecterait bah, partout où c'est qu'il y a des molécular assembleurs. Et le gros avantage, c'est que vous l'avez vu, j'ai pas de câble de connecté, c'est comme là-haut, mais ça, il n'y a pas besoin de les connecter, c'est un peu comme le lecteur de disque qu'il y a là-haut, enfin c'est tout le système Applied qui veut ça, c'est que vous pouvez connecter jusqu'à 8 éléments l'un derrière l'autre, pour que ça fonctionne sans que ça pose problème. Donc pour le moment, on va partir sur un design dans ce type-là. Tac, tac, tac. On peut rajouter comme ça, ben, je vais en mettre 4. Je vais déjà commencer par en mettre 4, j'en aurai largement assez avec 4 pour démarrer. Sachant que comme je l'ai déjà dit, hein, plus vous rajoutez de matériel sur le réseau, et plus il va consommer d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on va se limiter. Et avec 4 molécules à rassembleur, pour le moment, ce sera largement suffisant pour avoir suffisamment de patterns. Voilà, maintenant on a notre machine de craft, on a notre processeur et on a notre stockage. Et tout ça, bah maintenant il va falloir pouvoir configurer tout ça. Et pour configurer tout ça, bah, il va nous falloir une crafting terminal, enfin pas une crafting terminal, un terminal qui va nous permettre d'apprendre au système comment crafter les choses. Je me suis planté quelque part, terminal. Terminal, pattern terminal, c'est celui-là, tac, tac, et il me faut pattern terminal, c'est un crafting terminal qu'il me faut. Pour ça que j'ai pas pu le faire, tac. Pattern terminal, tac, tac, tac. Voilà, alors on a le pattern terminal qui est là. Et ce pattern terminal, vous pouvez le voir, il a une petite différence, c'est que là, il y a quelque chose qui va permettre de rajouter des disques. Ces disques-là, bah, c'est tout simplement des disques vierges. Alors ces disques vierges, ils sont là, tac, là. Ouais, c'est ceux-là, mais seulement c'est ceux qui sont pas encodés, ils sont où? Blank pattern. Les voilà là, tac. Voilà, alors ça c'est des disques de pattern. Alors le premier pattern qu'on va faire, bah forcément, ça va être celui-là, comme ça nous évitera d'avoir à les crafter à la main. Et pour ça, bah, il suffit de prendre des blancs patterns, on les met à cet endroit, on appuie sur la petite flèche, et puis le pattern est enregistré, il est là, tac, il est là. On peut voir là si je vais dessus. Ça va utiliser des. Bah, ça nous dit que ça va crafter un blank pattern avec un Certus, quartz glace, ainsi de suite, tout ça, tout ça. Et ça nous dit que ça n'a pas de substitution, parce que de toute façon, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le substituer. Ah si, on peut le substituer, mais je vais pas utiliser les purs, parce que les purs, ça coûte cher, pour le moment. Et puis qu'on n'a pas encore automatisé. On viendra le modifier par la suite, donc ce n'est pas trop un problème. Et maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va le mettre directement dans le système. On va le mettre là. Là, on peut voir qu'on a toutes des places différentes pour pouvoir y mettre des patterns. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre le pattern ici. Blank pattern. Là, on peut voir que j'ai mon blank pattern qui est là. Et je peux lui demander d'en crafter. Admettons, je vais lui demander qu'il en crafte 10. Je fais suivant, et là on peut voir que bah, je peux choisir, là c'est les crafting CPU, c'est ce qu'on a fait avant, c'est les processeurs, bon là j'en ai qu'un seul, hein. On peut voir si je clique dessus, j'ai 0, et je peux pas en choisir d'autres, hein. J'en ai qu'un seul, et après bah, ça me donne les quantités d'objets que je vais avoir besoin, ce que ça va me donner, et puis surtout ça va me donner la taille que ça va utiliser, ça c'est la mémoire qu'on a crafté, moi j'ai mis une 16K, là ça va utiliser 158 bytes, parce que c'est un tout petit craft, mais si je demanderais des gros crafts, par exemple la... De l'octo, enfin de la
cobble compressé 8 fois, admettons, il faudrait une place phénoménale suivant les quantités. Plus les crafts sont compliqués et longs, et plus il faudra de la mémoire. C'est pour ça que plus il y aura de mémoire par la suite, on verra de toute façon, on peut passer tout à 64K, parce que plus il y aura de mémoire, et mieux ça sera. Donc admettons, voilà, on peut faire ça si je démarre le système, et là on peut aller voir que là on peut voir c'est en train de se crafter. Là on voit les crafts se réaliser, et là on peut voir où c'est que ça en est. Actuellement on en a 10, si on fait un clic droit dessus, on attend, on peut voir que c'est en train de se crafter, tout simplement parce que, bah voilà, il a fini. Voilà, ça a été... Non, il n'a pas fini. Pourquoi là est-ce qu'il me dit qu'il est craft et que là il est craft pas? Voilà, les blank patterns sont terminés. J'ai trouvé le problème, c'est parce qu'en fait il y avait la security station qui était là. La security station venait verrouiller l'ensemble des disques, mais comme elle n'était pas raccordée au système qui était là, au système qui est en dessous, et ben ça empêchait le réseau là de communiquer avec le réseau là. La security station elle doit forcément être sur le contrôleur principal, et comme c'est plus celui-là, ça a été celui-là par le passé, mais ce n'est plus celui-là, celui-là c'est juste un contrôleur qui me sert pour les disques. La security station, il fallait la mettre à cet endroit. Donc j'ai mis la security station ici, j'ai relinké mon terminal, donc maintenant ça refonctionne, le problème était réglé. Bon, c'était pas grand chose, je m'en doutais un peu que c'était ça, mais bon, il faut y penser sur le coup. Voilà, c'est problème réglé. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre en place tous mes crafts. Je vais mettre en place déjà les crafts de 1 kg, tout ça, tout ça. Et puis, bah après, j'ai envie de dire, c'est parti quoi. C'est parti. Encore une petite chose qu'on va pouvoir faire, ça va être le terminal d'interface. Le terminal d'interface, il a un avantage. Je vais l'utiliser de toute façon. Tac, tac, tac. Alors, bah on va le mettre là pour le moment. On verra éventuellement de le mettre de l'autre côté par la suite. Parce que, ou alors on le met de l'autre côté tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce qu'on va faire. On va pas s'embêter. On va faire... ah si, on peut le mettre là, ça gêne pas. Tac, tac, tac. Je voulais pas le mettre en rose. Je voulais le mettre en... En violet, tiens. Tac. Et on va mettre le terminal d'interface ici. Et on va mettre... Je vais récupérer le terminal de modèle. Qui est là. Et on va le mettre ici. Je mettrai des façades après. Mais en gros, l'avantage, bah, c'est que j'ai mon terminal de modèle qui est là. Et le terminal d'interface, eh ben, il sert simplement à accéder aux molecular assembleurs qui sont en place là-haut à cet endroit sans avoir y accéder. D'ailleurs, si je descends, on peut voir que là, j'ai le pattern que j'ai fait des blank patterns. Donc, eh ben, on est bien, j'ai envie de dire, on est bien. Ça fait que ben, tout ça, après, on pourra fermer, on pourra rendre étanche. On n'aura plus lieu d'y aller, on n'aura plus besoin d'y aller. C'est comme pour les disques, on n'aura plus besoin d'aller à l'intérieur puisqu'on pourra accéder au disque directement par soit ces terminaux-là, soit par le terminal qui est là, ou même éventuellement ben, par tous les terminaux, j'ai envie de dire. Tous les terminaux, on peut voir, là, j'ai les disques, j'ai accès aux disques qui sont là. Voilà, voilà, sur ce, on va se quitter là pour cet épisode et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!